Environ 400 000 lingots d'or sont entreposés à la Banque d'Angleterre, ce qui représente près de 134 milliards de livres sterling, ou 160 milliards d'euros. Cette banque n'a jamais été volée en 320 ans. Sauf que le 16 février 1836, en pleine ère victorienne sous le règne de la reine Victoria, les directeurs de la banque, banque qui à l'époque était la plus grande réserve d'or au monde, reçurent une lettre anonyme, où l'auteur leur assurait avoir accès quand ils voulaient à tout leur or. Et pour leur prouver, il leur donna rendez-vous à l'intérieur même du coffre-fort. Totalement sidérés, les directeurs décidèrent d'y aller une nuit. Une fois sur place, un bruit se fit entendre sous le sol et un homme en surgit. Hello. C'était un employé des égouts qui, lors d'une réparation, avait trouvé par hasard une ancienne canalisation menant directement dans la chambre forte remplie d'or. Un inventaire révéla que l'homme n'avait rien volé du tout. Et la banque, pour son honnêteté, le remercia avec l'équivalent moderne de 100 000 euros.